L'extension était utilisée comme circuit de transit pour de nombreuses voitures. On l'a évalué à 75% le nombre de voitures qui passaient au Verdançon alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Donc pourquoi nous avons mis le Verdançon en double sens? D'une part, pour faciliter l'accès aux automobilistes pour le centre-ville, pour les parkings du centre-ville, pour le quartier des Beaux-Arts, pour les Arceaux, pour Boutonnet. Donc si vous voulez, les personnes qui doivent se rendre au centre-ville vont circuler beaucoup plus facilement avec la mise en double sens du quai de Verdançon, ce que nous appelons l'anneau de distribution. Alors il est vrai qu'il y a des gens qui ont l'habitude de passer au Verdançon alors qu'ils n'ont rien à y faire. Donc il faut qu'ils empruntent les itinéraires de contournement qu'on a mis en place déjà au moment où nous avons attaqué les travaux. Il y en a qui l'ont fait, ils ont gardé les habitudes, donc normalement ça devrait très bien se dérouler.